aventure, c'est vraiment beau. Magnifique, joyau du Québec. Vraiment beau, je suis contente. C'est quand même assez cher, là, le bateau, pour venir ici, mais ben, c'est pas super. Là, on va faire un petit pique-nique. On a nos restants de pâte au pesto d'hier. Vas-y. Des petits craquelins. Mia a son popcorn. Elle se pouvait plus, elle en parlait même dans son sommeil. Mia a tout bu le smoothie dans le bateau. Là, ce qu'on a aussi? Ah oui, du melon, du pain, des oranges. On a surtout du chocolat. On a acheté ça hier, du kéfir de Newport. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux? C'est du kéfir, mon amour. Kéfir. Okay. Du café. Kéfir. Non, c'est comme du kombucha un peu. Petite bouche. Petite bouche. Attends. Oh non. C'est reparti. En tout cas, je la trouve pas mal bonne, tu sais, pour marcher dans les bois. C'est le fun, tu peux galoper, courir, sauter, comme ça te tente. En tout cas, je suis contente d'avoir mis mes running. C'est pas mes Toms ici. Il y en aurait arraché. T'es fatiguée un petit peu? Oui! Ouais, ça
paraît pas. Non. Tu veux juste être dans les bras de maman, c'est ça? Oui. Tu disais que tu avais mal à la jambe, c'est vrai ça? Oui. T'es sûr? T'es-tu sûr que t'as mal à la jambe? Oui. J'ai la misère à croire ça, moi. Tiens! Une boule pour maman! Un petit exercice, hein? Parce que en road trip, on s'enquilose vite. Hein, Mia? Oui! Tu sais, faut pas mettre ça dans ta bouche. On sait pas, c'est peut-être une plante poison. On connaît pas cette plante-là. Faut pas la mettre dans la bouche, ok? Là, tu vas marcher un petit peu. Fait qu'on croise deux types de personnes dans les sentiers. Il y a les gens qui marchent tout seuls, puis qui nous disent aïe, vous êtes pas rendus, faire ça avec un carrosse, ça doit pas être facile, ça n'est pas fini, attention là-bas, ça monte. Les autres, c'est ceux qui ont des bébés puis qui sont avec un carrosse aussi, puis eux, ils disent rien. À part peut-être nous faire un petit sourire entendu de ouais. Mais les autres, ceux qu'on croise, ils reviennent, là. Je sais pas s'ils sont allés jusqu'au bout, qu'ils ont fait le tour, ou s'ils se sont découragés en milieu du chemin. En tout cas, on va peut-être le regretter. Mais c'est ça, au bout de la trail, il se pose d'avoir un observatoire de fou de bassin, donc ça vaut peut-être la peine, on espère. Sinon, ben, ça sera notre plein d'énergie. Ah, notre exercice de la semaine, en quelque sorte. À part déloader le char, clôder le char, on fait pas grand exercice à la road trip. On est rendu à mi-chemin. Il faut pas oublier qu'il faut le refaire par l'autre sens après. Au moins, ça va descendre. Ça fait vraiment du bien, là, de faire de l'exercice dans un endroit où l'air est aussi sain, là. Hey non! Voyons donc! Mais qu'est-ce que t'as fait sur mon dos? Parce que c'était bleu! Ben oui, mais t'es lourde! Oui, je sais. Non, c'est pas des bleuets, mon amour. Quoi? Je sais pas. Ça ressemble, mais c'est pas des bleuets. Ça, on aime ça! C'est sûr qu'il n'y aurait pas tant de mérite à faire la trail si c'était le même tout le long, mais on l'apprécie quand ça passe, hein? C'est un peu moins en pente par ici. Fait du bien. Petit break. Mia est contente, on peut l'asseoir en avant de la poussette, quand ça monte, on peut juste pas, on a trop de bagages. Plus Théodore qui est pas léger. Toi, c'est Théodore.
Toi, c'est qui? C'est plus facile parce qu'on va faire la compartie. On arrive, on entend, je sais pas si le micro est capable de le capter. Ça va la terre, non? Salut, salut, salut!